matériel pour trouver de bonnes affaires à faire. Il faut dire que la forme du matériel, c'est aussi pour nous, Barakuvillois, le jour de fête, parce qu'il faut dire que Barakuville n'a pas forcément de fête nationale, et aujourd'hui on peut retrouver plusieurs buvettes dans la ville, et c'est une manière pour nous d'arroser. D'arroser. Et puis il y a du matériel, il y a du Chondir, il y a du Fenn, il y a du Massey Ferguson, il y a beaucoup de choix pour nous, pour trouver une bonne affaire à faire. Bon, et alors, vous en profitez pour fêter d'autres choses parallèlement, d'après ce que... Écoutez, chaque année, ça tombe au mois de mai, premier week-end de mai, souvent il y a des choses à arroser. Pour le coup, cette année, c'est mes enfants qui sont nés, des jumeaux, Rose et Raphaël, et on en profite justement pour souhaiter la bienvenue. Welcome Rose et Raphaël, en tout cas, et on en profite avec tous les copains pour arroser tout ça. Et on en profite malgré tout pour faire la foire du matériel. On a fait tout le tour, rue des Préfonds, rue du Buisson. Ce qui fait vivre les associations aussi. Parce que moi je pars du principe que les entreprises de Barakuville et l'association de Barakuville doivent profiter un peu de cette manifestation. Je trouve que l'initiative de Madame Martin est très très bonne. Et je pense qu'il faut qu'on suive ça. Et je pense que bientôt, je parle dans une dizaine d'années, ce sera peut-être nous les organisateurs de la foire du matériel. Donc il faut en profiter et être opportuniste de ce genre d'initiative. En tout cas, je félicite l'organisation et je les remercie. Alors, Thérèse, vous êtes l'organisatrice... L'organisatrice, c'est bien grand mot. Heureusement que je ne suis pas toute seule. Hein. Je ne risque pas d'être l'organisatrice. Bon, alors, vous êtes combien à œuvrer ? On est toute une équipe, vraiment, nous marche, qui est très, très bien. Tous ces bénévoles font un travail incroyable. D'ailleurs, elle n'aurait pas lieu sans tout ça. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Bon, alors c'est la 60e édition. La 60e édition. Cette année, il y a un petit plus. Vous avez pris les bandas et des danseuses brésiliennes pour animer. Oui, et des bandas. Alors pourquoi vous avez fait ce choix ? On a fait ce choix pour animer un petit peu, pour marquer, pour mettre de l'ambiance. Et d'ailleurs, les exposants viennent de nous dire un grand merci là-bas sur la place de la mairie. J'en suis heureuse parce qu'en haut lieu, ce n'était pas pareil. Bon, alors il y a le soleil finalement. Ah, il y a le soleil, c'est encore, on est gâtés. On n'a rien à dire de ce côté-là. Bon, alors ce matin, il y a eu des petits hicks. Ah oui. Pour le défilé. Oui, il n'aura pas lieu sur la nationale puisqu'on nous l'interdit. Et pourtant, on ne voulait pas défiler sur toute la nationale. On n'aurait pas bloqué. Pas plus qu'une autre manifestation qui défile sans rien dire, mais en fait c'est comme ça. Hein. Et alors au niveau des soutiens finalement, de la part des collectivités Des collectivités, les banques nous ont bien soutenus, les commerçants aussi. Ils nous ont offert des repas, des boissons, on peut leur dire merci. Puis merci aussi à la population, parce que vraiment on met le sou quand même dans la récupération. Donc tout le monde joue le jeu ? Hein ? Tout le monde joue le jeu ? Oui, tout le monde joue le jeu. C'est très rare. On n'a pas trop de réactions désagréables. Je peux monter ? Allez, montez dans le